tour. On peut applaudir. Je peux aussi m'applaudir, bravo. Normalement, ça y est. Normalement, j'y viens normalement. Je fais mon grand retour. D'ailleurs, tant que j'y suis, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram parce que c'est là où je poste toutes les nouveautés de la moto. Et si vous voulez savoir en avance tout ce qui va sortir, etc., toutes les nouveautés sur la moto, et n'hésitez pas à me suivre. Puis moi, ça me fait toujours plaisir. Il y a une Camaro. C'est même pas une Camaro, c'est une ZL1. Oh la dinguerie. Oh, la ZL1. Ouah. Si, c'est une Camaro du coup. Quel moment il y a ça avec une plaque californienne et tout. Mais attendez, quoi? À la base, je venais pas pour ça, je venais pour vous présenter la moto. Bah attendez, je vais me garer à côté. Hein. Je vais me garer à côté, je vais faire une petite photo. Bref. À la base, je voulais vous montrer la moto parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Bon bah voilà. Il y a eu quelques changements que vous avez pas vu sur YouTube, par exemple les jantes. Les jantes, vous les aviez pas vues en biton. Après, j'ai rajouté quelques petits détails comme là, j'ai mis un peu de covering. Oui, il part, faut que je le refasse. Il y a la selle aussi, j'ai mis une selle KRM du coup jaune et noir. Et puis globalement c'est tout. Parce que c'est vrai que ça fait 9 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Non mais regardez ça. Orange comme ça et tu. Oh la taille des disques et tout. Oh la vache. Donc du coup voilà la moto. Après 9 mois d'absence. De toute façon celle-là, je vous le dis tout de suite, normalement je la garde. L'année prochaine j'espère pouvoir passer le gros cube. Mais normalement elle, je la garde. Dans tous les cas. Mais voilà, après, ah oui, il y a les protège-mains aussi. C'est pareil, ça se décolle un peu, c'est du covering où dedans j'ai voulu mettre l'effet, enfin le logo Red Bull. Mais ça rend pas super bien, il y a ça aussi. Que j'ai mis en rouge pour rappeler le rouge du derby. Donc là, je m'en vais en cours, il est midi. Enfin, il n'est pas encore midi, il est 11h et quelques. J'ai beaucoup de projets pour cette moto. Déjà, il faut que je change la boîte parce que la boîte, elle a un gros problème. Carbu aussi. Comment la gamme bécane lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle, l'ex moto. Je connais pas du tout. Vas-y, passe mon coco. Vas-y. L'ambulance. Par contre, je suis choquée de la ZL1 là. En orange comme ça, orange un peu KTM. Parce que voilà, KTM, je vous le dis honnêtement, c'est ma marque préférée. Ah, mais non, mais. Bah oui! Je disais pas, vas-y à toi! Oh là là, les petits vieux! Par contre, tu fais quoi toi? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais vous avez tous des problèmes aujourd'hui les gens. Voilà. Je te fais une marche arrière du Seigneur. La belle bécane. Hop, je vais mettre comme ça. En vrai, est-ce qu'elle est pas mortelle comme bécane? Ah, il y a un arbre.